Hey, cucu, mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode de Crux The Big Heist. Alors, on croise les doigts, on va réussir à braquer ce coffre-fort. I've been thinking, je vais revenir sur ce que j'avais dit. Il me semble que j'avais émis l'idée, la dernière fois, de foutre le mec. Mais il est où? Ah bah il est là, c'est vrai. J'avais oublié. Lui, en fait, il me gêne à chaque fois. Et je voudrais le foutre coincé là. Normalement, ça devrait pas marcher. Mais je n'ai pas de poète-poète. Mais j'ai un poète-poète là. Donc, en fait, je vais aller le chercher. On va aller le chercher. On a tout ce qu'il faut. Lui, il a de la place. Donc, bah, l'Opco, t'es le plus près. Oh non, c'est kiff-kiff la bourrique. Hein. Kiff-kiff la bourrique. Oui, monsieur. Oui, madame. Lui, il est où? C'est nickel, tu vas venir. Non, parce que sinon je pense qu'on n'y arrivera jamais. Donc il nous faut le poète-poète. Parce que si je fais un poète-poète, lui il va forcément rentrer. Et on sera tranquille. Faut que je reprenne la patrouille. Ouais. Tu vas venir. Venir là. Il y a moyen que tu te fasses pas gauler. Il y a un souci. Mais pourquoi il s'excite tout le temps? Je sais pas. Lui est toujours coincé. Toi, réassomme-le. Là, il faut juste que j'aille choper le poète-poète. Ça, dès qu'il lui part. C'est pas vrai. Quoi? Qui a fait quoi? Lui, non mais lui, il me stresse à chaque fois qu'il crie en fait. C'est stressant. On va me choper ça. Ah oui, non, c'est vrai. Et ben voilà. Tu vas te planquer là. Tu sais ce que tu fais du coup, toi? Tu vas bouger. Enfin, lui, il est moins stressé. Bon. Au travail. Ouais, toi, je vais avoir besoin de toi là-bas. Il faut que lui, il arrête de s'exciter, de passer partout dans tout le temps, quoi. Normalement, ça devrait être bon, là. J'attends qu'il se retourne là, parce que s'il se réexcite, pour une raison X ou Y... Non, il a l'air d'être calme. Parce que sinon, on est pas dans la merde. Tu vas aller... Là, il faut qu'on sorte l'Opkovitz. C'est parti. Viens. Mais... Ok. Alors, on va... Tu peux venir là. Je m'assure qu'ici, tout est bien, que lui s'excite pas de nouveau. Toi, tu vas le refrapper. Lui, c'est bon, il s'est calmé, hein. On fait quoi maintenant? On fait quoi maintenant? Ouais, c'est bon, il s'est calmé. Ok. On va attendre que lui refasse un tour complet. Ben oui, hein, tant qu'à faire. Ça, lui, c'est bon. Et en fait, quand Bishop va aller là, ça va s'ouvrir. Je vais... Ouais, enfin non, je vais envoyer... L'Opkovitz avec son poète-poète avant ici, parce que lui va lui ouvrir la porte quand lui sera rentré. C'est tout un merdier.
Mais normalement, mais c'était mon plan initial, mais j'avais la flemme d'aller chercher le poète-poète. Maintenant, je l'ai. Donc, c'est bon. Et je pense qu'il pourra pas revenir. Normalement, c'est un plan parfait. Normalement, hein, bien sûr. L'autre, il tape, ça me stresse. Voilà, il vient là, il fait son tour. Dès qu'il est parti, on se met en marche. Oui, ça y est, ça va être now, les gens, ça va être now. Toi, tu viens jusque-là. Ouais. Et toi, tu viens jusque-là. Oh, ouais. J'ai coincé. Je suis coincée! C'est bon, les enfants, c'est bon. On va attendre qu'ils rentrent quand même. Oh là là, ça me stresse. Vous imaginez même pas. Ok. Tu rentres. Tout va bien? Tout va bien. Attendez. Que je fasse pas de la merde. Je le pouette-pouette. Il faut que... Ouais, il soit bien dans la... Lui là-bas, il l'entendra pas. Et tu ressors direct. On est ok. C'est n'importe quoi, les gens, on est d'accord? Pourquoi il est venu dans cette pièce-là? Il est obnubilé par cette pièce-là dans mon jeu, moi. Mais non, mais ils sont sympas. Ils me safe encore n'importe où, là. Non, mais ça. Non. Bah, non, mais je vais me faire avoir à chaque fois. Non, 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 c'est bon. Ils me safe n'importe où, le jeu. Voilà. Charger ça. Je suis désolée, hein, mais sinon je m'en sors jamais. Hein. C'est quand même. Il me safe juste à la seconde où je sais mort, où je peux plus rien faire. C'est con. Ou alors. Technico, pareil. Il faut que j'ouvre Serveur accroché. ça d'abord. Attendez, je vais mettre déjà la faute sur les gardes parce que. Non, c'est pas ça. Oh, ça me stresse! Ce jeu est génial, mais alors, qu'est-ce qui stresse? Qu'est-ce que c'est stressant? Tu vas ouvrir avant. Bien reçu. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je... Regardez. Ça marche! Oh, ça marche! C'est pas vrai! Qui a fait ça? Il s'est passé quoi ici? Lourdes. En fait, c'était un bad timing. Je sais pas comment, mais peut-être que je l'ai pas assez ouverte assez tôt parce qu'ils peuvent pas bouger avant que la porte soit totalement ouverte. Oh! J'ai réussi, je l'ai coincé. Lui, il est là-bas. Ouh! Viens ici. Tout va bien? Ouais, ça va, mais alors me stressez pas. Je suis prêt. Juste, c'était où toi? Oh, viens ici. Oh, viens là. Ça me stresse. J'ai peur. Il peut repasser ou pas? Fermé. Porte interrupteur. C'est bon ou pas? Oh putain, je crois que c'est bon. Je suis coincé. Ah, c'est bon, ils sont coincés! Ah, excusez-moi, là, je. Ah! Oui! La victoire! J'ai les bras en l'air, là, je. Ah!
Si je pouvais danser, je danserais. Quel pied. Ok, oh, ça me... Si toi, tu vas là. Et si toi, tu... Non, ça, c'est bon. Et ouais, alors, du coup, toi, tu devrais le... C'est lui qui va aller chercher les sous. Donc toi, tu viens ouvrir là. Et c'est Rufus qui fera... Mais pourquoi tu rentres là? Je peux rien faire. Mais oui, mec. Je... Non, mais viens, viens là. Non. Viens ici. Ok, on va attendre. Ah oui, il est coincé. Et les deux sont coincés. Lui, c'est lui qui tape. Et lui, tape aussi. D'accord. Okay. Toi. Allez, Lobkowitz. C'est bon. Putain, Lobkowitz. Tu vas te mettre là. Toi, tu vas... Oh, ça y est, on va y arriver, les enfants, on va y arriver. Et toi, tu vas faire ça. Regardez-moi ça. On va y arriver. Oh. Ah, non, il y a une animation. Les empreintes sont en place. Ah oui, c'est vrai, c'est les empreintes. Attends, tu vas activer ça et après faut se barrer. Mais par où? C'est où la sortie déjà? C'est quoi le topo? Quoi le topo? On se barre. Je n'ai pas les compétences nécessaires. Je ne suis pas putain. Bardé. Putain, mais ouais, mais ah là là. Et c'est bon. Mais réactive le truc, mec! C'est pas vrai! Qui a fait ça? Tu pars dès que tu peux. Que je sache. Non, on peut tous repartir par là, en fait. Venez là. Non, bah non, 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 non. Fais le tour par ici. Tu viens là. Bien sûr. Toi, t'ouvres. Tout cette porte là. Au travail. Toi, tu vas venir là aussi. Si là, il va rester ici, il va pas ouvrir la porte. Donc faut juste que Rufus passe et après il restera que Lobkowitz. Ouais, ouais. Bon, on s'en fout de toute façon. Ah ouais, non, il y a ça. Lui reprend son tour de garde normal. Il va peut-être aider son collègue, hein, j'en sais rien moi, hein, je sais pas. Mais là il faut se barrer. Alors la sortie. Elle est là-bas. Ok. Non mais ça va, après on connaît, on est déjà passé. Oh, je vais avoir fini le niveau. Oui, oui, oui. Faut juste pas que je me repose sur mes lauriers. Là il désactive ça. De toute façon, oui, mais j'allais dire il peut passer par là, mais en fait. Et si tu t'en vas... Non. Si tu t'en vas, j'ai dit... Ça ouvre la porte pour Lobkowitz ou pas? J'ai coincé. Faut pas forcer. Merde. Bon, reviens là. Non. Je vais arriver. Viens ici. Lui, il va aller là. Donc on est... Normalement, c'est... Ouais, tu peux venir là. Pas sûr que j'ai le temps, hein. Il s'en va. Il repart par là, on est d'accord. Hein. On va y arriver, on va y arriver. C'est pas vrai. Qui a fait ça? S'il passe là, je suis morte. C'est bon.
Quoique non, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je sais pas. Parce que de toute façon, il va forcément revenir. Donc tu te remets là. C'est dès qu'il sera là, on partira. On va attendre. Putain, il me stresse à taper là, les gars. Mais vous imaginez même pas. Ouais, c'est une porte blindée, gars, qu'est-ce que tu crois? Bon, on va attendre hein, que Groulard, qui a dormi pendant une heure de jeu, il se bouge. Voilà, ça y est, on va bientôt y aller. Ah non, mais il me stresse les doigts à taper. Ça, c'est... Qui a fait ça? Ok. C'est bon, les enfants. On va y arriver. Allez, Lobkowitz! On va juste... Ouais, parce que lui, il va avoir la vue directement sur la porte, donc on va attendre. Ok, vas-y. C'est bon! Les braves Kompeng, ils sont tous là. Allez, on va pouvoir se barrer. On doit juste éviter celui-là. Mais après, regardez, c'est ligne droite. Donc on est franchement... C'est safe. De ouf. Dès que lui, il a fini de regarder là... Ouais, vous venez tous là. Hein? Je suis coincé? Non mais regardez-moi ça. Les doigts dans le nez. Oh. La compagnie de voleurs est en marche vers le bonheur. Ou vers l'ascenseur. Ah. Ok. Et voyez ici, on a juste le gros. Alors par contre, effectivement, j'ai peur qu'il voit. Oui. Oui, tu vas aller là. Vast. Toi, tu vas aller aussi là. Ouais. Allez là. C'est pas vrai. Qui a fait ça? On sait jamais, hein, comme des fois il voit un tout petit, il voit même sous les portes ou les interstices entre le chambranle de la porte et la porte. C'est quand même pas mal. De toute façon, j'avais pas de chalumeau hein, pour le coffre. Je suis en train d'y repenser. J'avais pas de chalumeau à choper. Hein. Oui, il y a le coffre qu'on n'avait pas piqué. Parce qu'on n'a pas... Il me reste un trésor que j'ai pas pris. Et puis c'est bon, on va pouvoir aller à la sortie. Ça va barder. Je suis prêt. Allez hop. C'est parti. Oh oui, l'exemple. Ça, c'est du bon boulot. Ok. Mieux vaut y aller doucement en sortant. Les systèmes de sécurité remarchent, mais on peut les désactiver de l'intérieur. Et surtout, oui, on ne doit pas être plus que suspect. Enfin. Je commençais à croire que t'étais bouché, Sorette. La ferme, Rufus. Ok, dernier niveau. Et c'est le niveau qu'on avait fait au début. Oh non, il va être tellement long, j'en ai marre, c'est là qu'il faut partir. Oh, j'ai pas envie. Je me suis donné là. Je me suis trop donné. Il y a 4 trésors à trouver. Bon. Ah, il y a déjà un là. J'ai pas la foi. Hein. On verra ça une autre fois. Cet épisode sera au moins a été concluant. J'ai quand même réussi à faire ce que je voulais. Donc, coincer le mec entre les safes là, c'était très rigolo. Entre le mec coincé dans les chiottes et celui-là. J'aime beaucoup ce jeu. Allez, je vous donne rendez-vous pour la suite de ce niveau avec Crooks The Big Ice pour la semaine prochaine, pour dimanche prochain. En attendant, je vous embrasse et à très bientôt. Salut!